Hello, hello. So we are just waiting to confirm if we can get William back on the feed, on the streaming. William is in Malawi right now, and we're having some technical issues with his connection there. Can you? Hello? Online, oh. Yeah, exactly. Oh, yeah. The connection? No? Okay. Hello? Oh. Hello? Hello? Okay, so we're going to move to the next part of the program, and we're going to keep trying to connect William so we can have the interview about moving windmills. William is a very interesting character in this whole sustainability context because of his personal story in founding the Moving Windmills, which is helping many regions in Africa right now. So we're going to keep trying. He's on Malawi right now, in Malawi. So we're going to keep trying. As soon as we can get him back on the stage. So my pleasure to bring on stage our colleague, Florian Sogues. Hey, bonjour. Florian. Bonjour tout le monde. Merci Giuliano. J'improvise un petit peu, c'est un peu moins organisé, mais je vais vous présenter quand même. C'est la seule fois de la journée que je vais monter sur scène. Je vais revenir pour les questions, mais c'est la seule conférence que je vais animer moi-même. Aujourd'hui, je reviens demain, c'est promis. Mais mes prochains invités, c'est quand même des gens qui sont très très cool et que je voudrais que vous fassiez du bruit pour eux. Le premier d'entre eux, c'est Mehdi Ben Boubaker. Et Mehdi Ben Boubaker, c'est assez hallucinant quand on lit sa biographie. Il a tout fait dans le domaine de la créativité numérique. Il a été cinéaste, il a été entrepreneur, il a été en communication, il a fait des effets spéciaux. Aujourd'hui, il est le directeur général du Printemps numérique et il œuvre à développer la créativité numérique à Montréal. Il fait beaucoup de travail pour ça. Et puis, il a invité quelqu'un pour venir avec lui qui s'appelle Michaëlle Aubourg. Michaëlle Aubourg, elle est développeuse, c'est une jeune créatrice qui est une ambassadrice du programme Technovation qui a participé il y a quelques années. Et ils vont monter sur scène aujourd'hui pour nous parler d'inégalité des chances dans le domaine du numérique et de ce que ça fait à ce niveau-là. Mehdi, Michaël, je vous invite à monter sur scène et à me rejoindre. Puis moi, je vous laisse. À tantôt. Hello, hello. Donc, on est solo? Oui, ça se voit. Je suis très contente d'être ici. Moi également. Est-ce qu'on se mettrait? Est-ce qu'on on se réagit? Oui, je pense que c'est mieux. Je ne sais pas pour les caméras si c'est pas bon, là, on nous dira. Mais c'est un grand plaisir d'être avec toi maintenant. Je ne sais pas ce que toi, tu me présentes, moi, je te présente. Qu'en penses-tu? On se présente chacun. On est grand. Ouais. OK. Donc, mon nom est Mehdi Ben Boubaker. Je suis le directeur général du Printemps numérique, qui est une organisation à but non lucratif dont la mission première est de travailler sur les questions de transformation numérique. On a un volet professionnel, un volet jeunesse extrêmement important où on agit dans plusieurs régions du Québec. Michaël? Donc, je m'appelle Michaël Aubourg et je suis une étudiante au Cégep en sciences. Et je suis aussi une des ambassadrices de Technovation Montréal. Et j'y ai participé deux fois. Technovation, c'est un programme et un concours international qui initie les filles à la technologie et à l'entrepreneuriat. Voilà. Et puis, quand on a commencé à travailler un petit peu, à réfléchir sur cette petite session autour des inégalités numériques, on s'était dit, ça serait chouette de le faire en fait en discussion. On n'entretient que de venir de donner des vérités toutes faites. Alors, je pense que l'idée c'était que c'est toi qui mène un petit peu le bal. Hein, fait que je vais te laisser prendre le bâton de pèlerin, c'est à toi, Michaël. Parfait. Donc, premièrement, je voulais juste te dire que je me sens tellement choyée d'avoir. Un moment pour échanger avec toi sur les inégalités numériques parce que j'utilise mes appareils numériques tous les jours.
J'utilise mon ordinateur, mon iPad, mon téléphone. Je suis constamment exposée à des publicités de voitures super techno, des nouvelles montres intelligentes. Et de savoir que le numérique peut être un vecteur d'inégalité, c'est assez alarmant. Et la première fois que j'ai entendu le terme « fracture numérique », la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est le manque d'accès. Le manque d'accès à des appareils numériques et à Internet. Mais j'ai comme cette intuition que c'est plus profond que ça. Est-ce que je me trompe? Pas réellement. C'est vrai que c'est un peu plus profond, mais c'est surtout un peu plus large. Okay. Dans le fond, quand on parle de fracture numérique, on parle souvent d'usage, de connaissances et d'accès. Donc, il y a les questions de compétences, il y a les questions d'usage, d'utilisation, puis il y a les questions d'accès, donc d'infrastructure. Les choses les plus visibles sont souvent les questions d'accès, donc est-ce qu'on a ou pas Internet, ou est-ce qu'on a ou pas les équipements, mais les compétences et surtout, je te dirais, l'usage sont un peu plus subtils, oui, dans leur compréhension. Tu sais, avant, on parlait beaucoup d'inégalités ou de fractures numériques entre le Sud et le Nord, tu sais, entre les pays du Sud et les pays du Nord. Et puis, avec le temps, on se rend compte que c'est peut-être un peu plus complexe que ça, parce que même dans les pays du Nord, on a des situations où il faut vraiment s'y intéresser, où on voit ces questions d'inégalité jaillir. Et ça, c'est juste cette portion-là. Je vais en revenir tantôt sur peut-être une autre question, si on a le temps. Mais quand on voit, par exemple, les questions d'inégalité, je pense qu'on me demande d'enlever. Alors, non, je vais garder ma casquette, si on veut bien, puis je vais la tourner. Ça va? Ok, cool. Je reviens à ma question de... En fait, cet élément de fracture. Quand on a fait... on a travaillé sur un projet qui s'appelle Jeunesse QC 2030, sur lequel on travaille notamment avec le secrétariat à la jeunesse ici au Québec. Et donc on a pu voyager dans le fond dans plusieurs quartiers à Montréal, mais aussi dans plusieurs régions. C'est à côté de chez nous, là, c'est nos voisins finalement. Oui. Ben, quand on est à Montréal, ben, c'est sûr que quand on voit, c'est pas nécessairement les mêmes usages, ni les mêmes compétences quand on est au centre-ville. Ville-Marie ou quand on est dans le plateau, quand on est à Montréal-Nord, il y a des utilisations qui sont un peu différentes. Mais on est allé plus loin dans le sens où on est allé dans plusieurs régions du Québec avec des activités qu'on appelle café numérique, où on amène les jeunes à considérer la technologie, à les amener à regarder la tech d'une façon différente, à toucher au code, à jouer avec, presque un peu organique. Et donc on est allé dans plusieurs régions, en Abitibi par exemple, le lac Saint-Jean, tout ça. Et on est allé aussi dans des réserves, dans des réserves autochtones, notamment chez mes amis Atikamekw, donc à Manawan, à Obidjiwan, à Wimotachi. Puis on a pu, dans le fond, en activant ces cafés numériques, en travaillant, en jouant avec la technologie, avec les jeunes, on a pu constater certaines différences dans l'utilisation, certaines différences aussi par rapport même à l'accès, quand on parle de régions éloignées. Pour moi, par exemple, la question d'Internet, ce n'est pas un luxe. Internet, ce n'est plus un luxe, c'est un droit. Parce que pour exercer actuellement notre citoyenneté, ça te prend un accès à Internet. Ce n'est pas vrai que on ne peut pas gérer l'accès avec une logique purement économique. Est-ce que c'est rentable ou pas? Non, il faut qu'on rajoute une autre portion. Est-ce que c'est équitable ou pas? Mais quand tu parles de citoyenneté, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que ça englobe, en fait, la citoyenneté? Ben, la citoyenneté, c'est la portion participation. Okay. C'est cet élément-là de comment j'interagis, comment je participe dans la vie de la cité. Et ça, c'est à différents égards. Tu sais, si on revient pas très loin là, avec la pandémie,
Tiens, on a vu. Mais peut-être sur cette question-là, j'aimerais ça t'entendre plus, toi. Parce que comment toi, tu as vécu, cette, par exemple, avec la pandémie, les écoles qui fermaient, puis l'utilisation des outils. Comment tu l'as vu autour de toi? Mais en fait, avant, j'aimerais ça revenir sur une chose que tu as dit, ensuite je vais lire ça avec la pandémie. Par rapport à la fracture, parce que là, on a divisé ça entre l'accès à l'appareil et l'utilisation. Mm-hmm. Fait que ça, ce serait comme deux niveaux de fracture numérique. Et est-ce que, moi, ce que je me demande, c'est si on pourrait diviser la portion utilisation en deux. C'est-à-dire qu'il faut savoir, une fois qu'on a l'appareil, il faudrait savoir utiliser l'appareil numérique. Ouais. Et ensuite, il y a comme cette notion de citoyenneté numérique, oui, qui serait peut-être plus liée à la pensée critique ou la connaissance des lois qui régissent le numérique ou même comment se protéger, la vie privée. Oui. Mais à mon école, justement, mon école secondaire, on avait des iPads. Donc, dès que la pandémie a frappé, ça a pris quelques jours avant qu'on s'adapte. Et j'ai pu poursuivre mes apprentissages super rapidement. Mais ce n'est pas la situation de tout le monde. Nous, on avait eu le temps premièrement, on avait accès aux appareils. On a eu le temps de se familiariser avec les outils numériques, éducatifs. On savait comment mettre des documents, disons, en ligne. Donc, ça a été assez facile. Là, je ne dirais pas est-ce qu'on a atteint le niveau, est-ce qu'on a développé un sens critique parfait pour détecter si les informations sur le net sont bonnes ou mauvaises, je ne sais pas, mais je pourrais dire qu'on a atteint un assez bon niveau. Mais je pense que l'inégalité, justement, ça peut... On l'a vu avec la pandémie, parce qu'il y a d'autres écoles pour qui ça a pris beaucoup plus de temps avant de poursuivre... À se remettre en salle. Mais c'est un peu ce qui... En fait, c'est quelque chose qui est un peu répandu dans le sens où l'utilisation, avec la pandémie, il y a eu une accélération des usages. Et beaucoup d'outils qui étaient là avant, dont on parlait avant, qu'on pouvait utiliser ça avant, mais il y avait comme une réticence, une résistance au changement justement, puis à l'utilisation, on ne voyait pas l'utilité. Et l'humain est comme ça, c'est avec l'utilité, c'est avec le besoin dans le fond qu'un usage peut changer. Et l'utilisation donc, de ces outils-là peut avancer. Il y a une chose aussi à prendre en considération dans toute cette question-là, c'est la nature de la bibitte. C'est-à-dire que on parle d'une révolution, d'accord? T'sais, avec le numérique, c'est un peu c'est une révolution qui change notre façon d'être, notre façon de fonctionner. On avait le temps avant. T'sais, quand on parle de la révolution industrielle, par exemple, on avait le temps. On avait le temps de voir les changements possibles, l'incidence sur nos vies, l'incidence sur notre travail, sur nos outils avec lesquels on travaille, puis le fonctionnement de la société en général. Ce n'est pas le cas avec la technologie. C'est extrêmement rapide parce qu'on se bat contre des processeurs et sur ce terrain-là de calcul, je pense qu'on devrait choisir d'autres combats. Fait que la transformation, le changement est rapide et c'est là où le bas blesse. Donc, il y a, quand on parle d'inégalité, il y a ces inégalités-là qu'on a évoquées maintenant. Donc, on parle des inégalités d'accès, d'usage et de compétences. Mais on peut pousser la machine un peu plus loin et la réflexion un peu plus loin. Et peut-être que c'est étant donné qu'on est dans un forum de réflexion aussi, c'est de voir qu'est-ce qui nous attend. Parce que les inégalités sont exacerbées par d'autres choses. Et je peux peut-être amener un ou deux éléments. Notamment, par exemple, je prends la question de fiscalité. Le numérique peut, d'accord, moi je suis juste en préambule là, j'adore la technologie, je suis un techeux, j'aime le potentiel, les possibles, j'ai été avec le
J'ai commencé avec un Commodore 64, les plus de 150 ans le savent c'est quoi, c'est une blague. Mais reste que, malgré mon amour pour ces possibilités-là, il faut qu'on reste vigilant sur les incidences que ça peut être, peut amener le numérique dans nos vies. Et notamment, donc, on prend le cas de la fiscalité. Traditionnellement, on avait des structures, une façon de faire dans nos sociétés qui était que, bon, il y a les impôts, d'accord, il y a des citoyens, il y a des entreprises, il y a un gouvernement, tout dépend de son palier, et puis tu as une façon de gérer les affaires du collectif, du commun, qui est de prélever des impôts, puis de injecter ces impôts-là dans des projets, infrastructures et tout ça, qui vont équilibrer le fonctionnement de la société et faire en sorte qu'on avance plus ou moins équitablement. Est-ce que nous sommes dans ce schéma-là maintenant ? Je me permets quelques doutes, parce que il y a beaucoup d'organisations, d'entreprises qui sont en train de développer, de vendre des services, d'instaurer des marchés et de définir des façons de faire, mais qui ne versent pas dans la communauté, qui ne contribuent pas correctement, équitablement dans les communautés auxquelles ils travaillent. Ce n'est pas je ne pense pas que la majorité de ces acteurs-là l'ont voulu dès le départ. Mais c'est juste que ce que je disais tantôt, c'est que c'est une révolution qui va très vite. C'est-à-dire que point de vue fiscal, point de vue réglementaire, point de vue réflexion de la communauté, peut-être qu'on n'a pas eu le temps encore de réfléchir à ces choses-là. Mais fait est de constater actuellement que si on n'a pas les moyens justement d'outiller ceux qui n'ont pas les moyens de les avoir, de former ou de donner des compétences à ceux qui en ont besoin, ben ça prend des sous, ça. Oui, mais quand on parle d'outiller ceux qui n'ont pas, on parle de qui est plus vulnérable, en fait, à... Bonne question. C'est une excellente question, parce qu'en fait, on a travaillé, je t'ai parlé tantôt des cafés numériques, et quand on se déployait un peu partout, on avait donc on faisait de la recherche en parallèle, on avait une post-doctorante avec nous, puis on faisait de la relevée de données. On le faisait gentiment, là, à la place d'avoir un formulaire plate, oui, non, tout ça, on avait conçu un jeu avec une école de jeux vidéo aussi, et donc en jouant, on était en train de répondre à des questions et tout. On est passé par le côté éthique, on posait les gens savaient que c'était aussi pour la recherche, mais on voulait une façon plus cool, plus chouette à faire cela. Bref, on a récolté énormément de données, puis ça nous permet d'avoir... puis la recherche, elle est disponible, hein, sur le site du Printemps numérique, on peut la télécharger. Donc ceux et celles qui sont intéressés par ce contenu-là, il est gratuit, il est disponible. Il y a plusieurs types d'inégalités que nous avons observées, de vulnérabilité. Appelons ça comme ça, la vulnérabilité. On parle de vulnérabilité socio-territoriale, par exemple. Okay. Donc la composante sociale d'un groupe peut influencer l'accès. En fait, le niveau d'éducation globale autour de soi peut influencer sur l'usage, donc sur l'accès à l'outil. Il y a le territoire, c'est-à-dire que, mettons exemple, si on est par exemple dans une réserve au nord, où on n'a pas accès à la fibre optique, puis on a un accès vraiment très primaire. Là, j'étais dans des endroits où on parlait de kilo-octets. Tu sais, je me disais, mais est-ce qu'on était rendu dans les années 90? Mais malheureusement, c'est encore le cas. Le fédéral actuellement est en train de faire énormément de choses pour connecter ces communautés-là, fait que ça avance, mais je pense qu'il faut que ça aille encore plus vite. Mais justement, parlant du gouvernement qui essaie justement de pallier à la fracture numérique, quelles seraient les solutions pour combler les lacunes qu'il y a? Les lacunes qu'il y a actuellement sur le terrain? Ben, je pense que c'est un travail collectif. Comme je dis tout tantôt, donc il y a des éléments sur lesquels on peut agir rapidement, comme par exemple les questions rapidement, comme les questions de compétences et les questions d'usage surtout.
L'usage, c'est de la sensibilisation. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Il faut s'en occuper de cette chose-là parce qu'elle a un impact énorme sur nos vies. Et les jeunes, notamment, il faut qu'on s'en occupe. Il faut que les jeunes s'en occupent parce que c'est un facteur important dans le développement, pas uniquement actuel, mais futur de nos communautés. Donc, il y a la question d'usage. Il y a la question des compétences. Et là, c'est la formation. Quand tu parlais de la question par rapport au public, il y a un des publics, par exemple, sur lesquels nous, puis moi personnellement, je travaille beaucoup, c'est les filles. C'est la présence des femmes dans les milieux technologiques. Vous savez, actuellement, on est entre 10 et 20% la présence des filles dans les milieux technologiques. C'est effrayant. C'est vraiment pas chouette. Ça amène des enjeux de créativité. Parce que une communauté, enfin n'importe quel groupe, le plus qu'il est divers, le plus que la créativité est là. Et quand on parle de technologie, un des éléments transcendants et phares et donc comme moteur de développement de ces secteurs-là, c'est la créativité. Donc la non-présence ou le peu de femmes actuellement, ça fait c'est pas chouette pour ces écosystèmes-là. L'autre chose, c'est l'équité. Les femmes ne sont pas là où l'argent est en train de se faire. Donc tous les combats qui ont été faits avant, les filles risquent de le perdre parce que, tu sais, elles sont pas là. Là maintenant, on sent bien avec le travail fait pas juste par nous là, il y a plusieurs organisations qu'on est en train de travailler sur ces questions-là. Il y a un peu plus de sensibilisation. Il faut travailler aussi sur les questions de rétention. Donc comment garder les filles qui entrent en technologie dans certaines entreprises, parce qu'il y a des compagnies qui ne sont pas articulées pour une présence diverse comme celle-là. C'était quoi la question? Oui, ben justement, j'allais te dire que je suis assez d'accord avec toi, puisque ben, en ce moment, la technologie est dans tellement de sphères sociétales. On peut penser à social, économique, politique, artistique, culturel. Et si la diversité n'est pas présente pour justement, n'a pas accès au numérique, il ne peut pas avoir un certain savoir par rapport à ça, ben, ce n'est pas tout le monde qui pourra contribuer à faire avancer la société vers, ou à contribuer à la révolution numérique qu'entreprend la société. Et j'aimerais ça faire une analogie un peu avec un building qu'il faudrait construire. S'il y a juste des petites personnes qui construisent le building, ben, à chaque fois qu'une grande personne voudra rentrer, ben, elle sera trop grande pour passer le cadre de porte. J'aime beaucoup ton analogie. Et ben, c'est un peu la même chose avec la technologie. Absolument. L'important, c'est que qu'il y ait une diversité de taille de personnes pour que le building soit adapté au plus de personnes possible. C'est la même chose pour la technologie. Je pense que le plus de diversité on a, le mieux c'est parce que la technologie peut justement être biaisée. Ouais. Elle peut être discriminatoire aussi. Absolument. Et en s'assurant qu'on a une diversité chez les créateurs d'outils numériques, on empêche justement les conséquences néfastes que ça peut avoir. On évite d'exclure certains groupes de la révolution numérique. Absolument. Puis on le voit beaucoup, beaucoup, beaucoup dans tout ce qui est sciences de données. C'est avec l'intelligence artificielle, toutes les questions des biais. Parce que si on n'a pas cette diversité-là, dans le développement même et dans les éléments avec lesquels on est en train d'entraîner les algorithmes, on va avoir des biais. Et ces biais-là sont souvent générateurs d'énormément de fractures et d'inégalités. Absolument. Ouais. Je suis complètement d'accord et j'adore beaucoup cette analogie. Oui, parce que c'est pour ça, en fait, l'importance de la diversité. Quand on parle, par exemple, de la présence des filles, des femmes en technologie, je trouve que l'exemple illustre bien le besoin, dans le fond. C'est qu'au-delà de l'iniquité financière, au-delà de cette qui n'est pas du tout acceptable, c'est aussi une question de créativité, c'est aussi une question d'efficacité de nos organisations nos entreprises et la recherche. Est-ce que par rapport aux inégalités, c'est sûr que les,
Est-ce que c'est un vecteur? Est-ce que la technologie, est-ce que le numérique, pour revenir à notre propos premier, est-ce que c'est un élément de un vecteur d'inégalité? Il peut l'être, mais il peut être aussi un vecteur de développement incroyable. Donc c'est juste quand est-ce c'est un couteau à double tranchant. Absolument. Donc qu'est-ce qu'on fait avec? C'est à nous de le choisir et c'est à nous de s'en occuper. Quand on parlait de participation, c'est justement dans ce sens-là. C'est-à-dire au-delà de la compétence, au-delà de l'accès, c'est l'usage qui doit être mené à bon escient. Il faut que nos jeunes s'intéressent à la chose, s'intéressent pas juste au côté chouette de la tech, donc jouer, gamer, tout ça, c'est très cool. Puis moi, jusqu'à présent, je joue. Là, c'est pas une question. Mais d'avoir une réflexion sur l'impact que ça peut avoir, ces technologies-là, sur notre environnement. Par exemple, on est dans des enjeux incroyables du point de vue du développement durable et dérèglement du climat. La technologie a une incidence importante, extrêmement importante par rapport à cela. Je ne sais pas, je vois le temps, je ne sais pas si est-ce qu'on est correct ou on n'est pas correct. Donc, ce serait quoi, pour finir, là? Un conseil que tu donnerais à la génération qu'on dit digital natives, ma génération, parce que considérant que on est en train de vivre une révolution numérique, qu'est-ce qu'on devrait garder en tête? Bon, c'est sûr que dans les questions d'usage, surtout sur Internet, c'est de il y a l'information, la qualité de l'information. En tout cas, on a développé une charte, ce qu'on appelle une charte de la citoyenneté numérique, aussi disponible sur le site du Printemps numérique, on peut la télécharger. Cette charte-là nous amène un peu à des réflexions sur comment on utilise au fait la technologie dans la vie de tous les jours. Et puis, entre autres, c'est les questionnements sur comment on doit être en ligne, par exemple. C'est le respect, la transparence, les questions de, bien sûr, qui sont fondamentales de la vérification des faits. Actuellement, tu sais, énormément de vidéos. Attends, je prends YouTube, par exemple. Tu rentres sur YouTube, je t'en ai parlé l'autre fois. Tu rentres sur YouTube, plein de vidéos, gagner votre vie en 5 jours. Ben, 2 heures par jour, tu fais 5 000 $, puis tu as la belle vie, des véhicules, des trucs. On vend du faux. On est en train d'induire toute une génération et plusieurs générations en erreur avec des fabulations marketing, alors qu'on peut faire autre chose avec ces technologies-là. C'est pas juste d'avoir l'esprit critique est extrêmement important. Continuer à développer, à amener ces questions à un niveau un peu plus poussé que juste des fabulations de marketeurs, je dirais. Donc là. Donc cette question-là de vérification des faits, moi, ça m'hallucine beaucoup. Puis s'intéresser à la chose, ce n'est pas le code, c'est un langage. Oui, il faut s'intéresser un petit peu pour comprendre à comment coder, si on veut coder, mais il y a plusieurs métiers là-dedans. On n'est pas tous obligés de coder. Il y a des gens qui réfléchissent, il y a des gens qui vont des stratégies, il y a des gens qui travaillent sur les questions d'équité ou de fonctionnement. Mais on doit s'y intéresser parce que c'est quelque chose qui a une incidence directe sur nos vies. La question de fiscalité, j'ai passé très rapide là, mais elle a une incidence capital sur le développement de nos communautés. Si on n'arrive pas à aller chercher les sous nécessaires pour développer nos communautés équitablement, donc pourquoi un petit commerçant sur la rue paye ses impôts alors que d'autres qui ont beaucoup plus de revenus, qui sont en train d'utiliser notre territoire comme un grand supermarché, pourquoi qu'on ne peut pas régler cette question-là? C'est une question qui ne se règle pas solo, c'est-à-dire que ça ne se règle pas à l'échelle du Québec ou même du Canada. C'est une question qui doit être réglée globalement parce que il y a des mécanismes qui peuvent être activés pour sauver des sous. Il faut les comprendre, puis il faut les voir. Mais
encore une fois, ce n'est pas parce qu'on est contre le développement de ces entreprises. Au contraire, c'est des entreprises qui sont nécessaires. Mais ça prend juste une distribution un peu plus équitable de la richesse. Donc, finalement, la technologie, ce n'est pas seulement une question technique, c'est aussi une question éthique. C'est beaucoup, énormément une question d'éthique, effectivement. Mais merci beaucoup. Merci pour Michael. Cet échange. Merci beaucoup à vous deux. Je suis désolé, je dois interrompre ça. I have to be the white man here. ça me désole un peu d'être l'homme blanc qui vient couper votre conversation. Peut-être juste très rapidement, en 30 secondes, est-ce que vous avez l'impression que la question de la diversité, il y a certaines entreprises qui s'en saisissent un peu sur un format de diversity washing, si on peut dire? Ou est-ce que vous pensez que c'est vraiment une question qui est clé actuellement et dont les entreprises sont vraiment en train de se saisir de la bonne manière? Mais je pense que on ne peut pas rentrer à l'intérieur des fonctionnements des organisations pour savoir est-ce que c'est quelque chose qui est... Mais ça se verra dans les faits. En fait, ça se verra dans la continuité des actions qui sont développées. Quand quelqu'un s'intéresse à une question... une fois, puis on ne la voit pas se matérialiser dans le fonctionnement de l'entreprise ou de l'organisation, à mon sens, il y a des chances que ça soit le cas. Mais je suis d'une nature peut-être optimiste, je vois le bon partout. Fait que je pense que les gens, des fois, ils ont juste besoin d'être sensibilisés, des fois je dis bien, juste d'être sensibilisés sur les... puis de faire les bons calculs. C'est quand on parle, par exemple, de la présence des femmes en technologie, si on le voit uniquement d'un angle d'équité, il se peut que certaines personnes ne se bougent pas rapidement. Par contre, si on amène aussi la question, et qui est fondamentale en technologie, la question de créativité, eh bien, je pense qu'ils ont tout intérêt à bouger beaucoup plus vite. Merci beaucoup. Michael, peut-être pour toi, je profite de ma petite minute, parce qu'on a beaucoup entendu Mehdi répondre à des questions, et puis il a un parcours qui est extraordinaire, et je pense que c'est super intéressant. Mais j'aimerais aussi avoir un peu ton témoignage. Toi, tu es jeune, tu n'es pas encore rentré dans une carrière. Puis, tu sais, il se passe beaucoup de choses en ce moment sur la question de la diversité, sur la question... du harcèlement par rapport à beaucoup de choses, puis tu es une femme, tu es une femme de couleur. Est-ce que tout ce que tu vois se passer actuellement dans les médias, ça te cause de l'anxiété par rapport à tout ça? Est-ce que tu as envie d'être là pour changer les choses? Comment est-ce que tu vis ça, toi? Et puis tu as commencé à mettre un pied dans ce milieu de l'industrie des technologies. Qu'est-ce que serait ton conseil pour d'autres jeunes femmes comme toi qui peut-être hésitent à se lancer? Moi, je pense que l'important, c'est d'aller au-delà de notre genre ou de la couleur de notre peau. Je sais que ça peut causer problème, ça peut être une barrière, mais si on croit profondément que ce ne l'est pas, on peut se lancer dans ce qu'on veut. Donc, ça veut dire que si une femme de couleur, une femme... musulmane veut se lancer dans les technologies, il n'y a rien qui devrait l'arrêter. C'est ce que je pense. Donc, c'est pas parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de friction dans la société concernant la discrimination, le genre, que j'arrête d'anticiper une carrière dans le domaine des sciences. Je pense que c'est... Ouais. Je pense que l'audience va être d'accord avec moi. Mais je vois le sourire de Mehdi, je pense qu'il est d'accord avec moi. C'est les meilleurs mots pour finir ce panel qu'on pouvait avoir. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été là. Et puis on se revoit très bientôt, j'espère. Merci. 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 Merci.